où le père est quitté par sa fille et il ne le supporte pas et il dit « Reste avec moi, je te trouverai un homme, on ira en Europe et on vivra ensemble. » Pourquoi elle m'a bouleversée, j'ai aucune idée. En tout cas, j'avais le cœur serré. Le même soir, j'ai vu Tabou de Morneau. Et les deux choses ont fait quelque chose d'électrique et je me suis dit « À partir de ça, je vais faire un film. » Bon. Et puis, je ne savais absolument pas comment adapter ce livre. Et j'ai une amie à moi qui s'appelle Nicole Brenes qui m'a dit « Prends toutes les scènes que t'aimes et mets-les ensemble. » Ça ne marchait pas du tout. Mais c'était une manière de commencer. Et puis déjà, j'avais l'idée de la poursuite de l'enfant. Et donc, finalement, on a commencé presque par la poursuite de l'enfant. Et puis... J'ai quand même écrit un scénario qui était assez sec, avec des dialogues, et que personne n'aimait. Et ni l'avance française, ni l'avance belge, ni Arte, il n'y avait que Canal+, bizarrement, qui a mis beaucoup d'argent dedans. Portait vers quelque chose de plus libre. Je crois que tous ceux qui voient le film sont... sont impressionnés par plusieurs choses, bien sûr, mais par ce choix de mettre ensemble des personnes, c'est-à-dire le personnage de Stanislas et le personnage que joue Aurore Marion, où la vraisemblance des âges et des situations n'a plus aucune importance. On sent qu'on est au fond, que quelque chose de fondamental se trame. Que le lieu où tout le monde agit et interagit n'est pas un décor, comme tu le rappelais très bien, et que du coup quelque chose de plus profond est appelé à surgir, à émerger. Prétendre être le producteur de Chantal Akerman, mais bon, je crois qu'on s'entend bien, j'ai l'impression, qu'on se comprend assez bien sur les ambitions artistiques. Et donc évidemment, c'est un souhait que ce nouveau départ dans la production en commun soit continue avec des nouveaux projets. D'ailleurs, on y réfléchit. Il y a quelque chose qui est en écriture pour le moment. Je ne sais même pas encore ce que c'est. Hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui ai dit qu'elle pouvait compter sur moi pour la suite de ses aventures. Et c'était à la fois un véritable plaisir de travailler avec elle et ce sera un véritable plaisir de continuer à travailler avec elle. J'espère, parce qu'un film n'est pas l'autre. Parce que pour moi,